Si tu as choisi la porte numéro 1, dans mon tirage, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une forme d'anxiété, une forme d'indécision, une forme de « j'ai envie d'y aller, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire mes bagages, j'ai envie de tout remettre en question, j'ai envie de tout balayer ». Ouais, on sent que dans la gorge, ça a envie vraiment de propulser, de voilà, ça a envie de crier. Vous avez envie de crier, vous avez envie de dire « ça suffit, stop, je m'en vais ». Et on sent que c'est ces énergies du moment qui vous invitent vraiment à avoir cet élan, cette voix intérieure qui vous dit « allez, vas-y, exprime-toi, exprime ce dont tu as envie, même si tu te sens incertain ou incertaine par rapport à l'avenir, dis-toi bien qu'il faut que tu ailles maintenant, il faut que tu tranches, il faut que finalement tu dises ce que tu as sur le cœur. » Ça peut être aussi des symptômes au niveau de la gorge. Ça peut être aussi, voilà, un éraillement, une voix cassée, quelque chose qui est bloqué dans cet espace. En tout cas, on vous invite finalement, si vous êtes dans cette forme d'indécision, de ne pas savoir quoi faire, bah partez. Partez, ça va être vraiment quelque chose qui va finalement débloquer votre énergie et ça sera la réponse à vos mots. Ce sera la réponse finalement à ce que vous repoussez depuis longtemps. Donc vraiment cette porte, elle est assez spéciale parce que vous avez tous été un peu attirés par celle-ci, avec cette lumière, avec tout ça. J'ai envie de dire, cette porte, c'est vous l'avez, elle est ouverte, donc partez, allez-y, parce que il n'y aura pas d'autre opportunité que maintenant. Parce que plus vous allez attendre, plus l'indécision va vous submerger, plus vous allez rester dans le monde de l'illusion, dans quelque chose qui ne vous convient pas. Donc là, on vous dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Bah, passe à l'action, pars. Il n'y a pas d'autre choix que de partir. Alors, c'est symbolique, hein. Ça peut être tout simplement de quitter une situation qui nous oppresse, quitter une situation qui nous met dans un sentiment d'insécurité, puisqu'on se dit, finalement, si je pars de ce travail ou si je pars de cette situation, ça va me mettre en insécurité. Et d'un seul coup, ben, ça vous maintient dans l'ancienne vibration. Alors que là, vos anges et vos guides vous invitent vraiment à explorer tout ça. Donc, je vous invite cette semaine, pour celles qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi, du coup, cette porte-là, de prier l'archange Gabriel, qui va vraiment vous aider à avoir cette impulsion à couper les liens négatifs avec certaines personnes et à plonger en vous dans cette force intérieure pour faire de bons choix. Donc essayez vraiment de comprendre que cette situation qui vous oppresse, ça peut être aussi une situation de mal-être que vous vous infligez à vous-même. C'est pas forcément un travail que vous allez quitter du jour au lendemain, c'est tout simplement quitter une ancienne habitude qui vous intoxique et que vous avez finalement des signes, des synchronicités qui sont très très fortes et qui vous invite à faire le pas. Donc cette semaine, ben, il n'y a pas le choix, il faut passer par la porte. Alors pour celles et ceux qui ont choisi la porte numéro 2, alors pour vous, ça va être quelque chose qui est en lien, on me montre un contrat. Donc ça peut être un contrat d'âme ou un contrat tout simplement que vous allez peut-être signer. En tout cas, il est question d'argent, ça peut être un contrat de travail ou un contrat financier ou quelque chose que vous allez contracter avec une entité extérieure à vous. Et on vous dit de faire attention parce que derrière ce contrat, il y a quelque chose qui est pas très clair, qui est pas limpide. Donc peut-être que ça va paraître attractif à un premier niveau, mais plus vous allez gratter et plus vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc faites vraiment attention à votre discernement, prenez conscience que chaque choix que vous allez faire, faites-le vraiment avec votre cœur. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël pour justement vous propulser dans l'espace du cœur, vous propulser dans cet espace d'amour pour justement vous dire qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que ce contrat est bon pour moi ou est-ce qu'il est vraiment altéré? Donc là, on est en train de vous dire patience parce que ce n'est pas forcément encore le bon timing pour contracter quelque chose, pour signer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient à vous, il y aura d'autres possibilités, d'autres ouvertures, donc on vous invite à la patience et à faire attention au type de contrat que vous allez signer. Si c'est un achat, si c'est quelque chose d'assez gros, essayez d'attendre le plus possible ou alors de faire appel à votre cœur et d'éplucher un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce contrat, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui pourrait finalement corrompre un petit peu votre lumière. Donc dites-vous bien que tout ce qui est en lien avec vos finances, n'essayez pas de contracter quoi que ce soit parce qu'on vous invite vraiment à ne pas vous faire arnaquer ou qu'il y ait voilà, des choses qui remontent par rapport
à la peur de manquer, par rapport à tout un tas de choses. Ça peut être de manière plus spirituelle aussi, ça peut être le fait que vous ayez l'impression de manquer d'argent et que vous vous faites du souci par rapport à l'argent. Donc dites-vous bien, plus vous êtes dans cette carence par rapport à l'argent et plus vous allez vibrer cela dans votre espace. Donc vraiment, connectez-vous à votre cœur, demandez à la source de vous envoyer des signes et de comprendre que l'abondance est aussi un état vibratoire et que vous n'avez pas besoin d'être fâché contre l'argent pour justement pouvoir en avoir ou en ne pas en avoir. Vous comprenez qu'en fait l'argent est neutre, l'argent est une énergie dont tout le monde a besoin dans cette dimension et qui est important, voilà, de faire avec cette énergie. Donc voilà pour les jolies lumières. Alors pour les personnes qui ont choisi la porte numéro 3, il sera question pour vous de voyage. On sent qu'il y a peut-être une volonté pour vous de partir en vacances. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait de laisser des bagages derrière vous. Ça peut être des bagages karmiques, ça peut être tout simplement des fardeaux que vous portez, que vous laissez derrière vous. Ça peut être aussi le fait de prendre soin de vous et de moins prendre soin des autres, entre guillemets. Ça peut être aussi le fait de dire stop à certaines relations, de certaines situations. En tous les cas, on vous dit qu'il y a comme quelque chose qui prend fin, un voyage qui prend fin, ou alors tout simplement le début d'un long voyage vers vous-même, vers l'exploration de qui vous êtes. En tout cas, on vous invite à regarder un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie auparavant, que vous avez peut-être perçu comme une tempête. Et à chaque fois qu'on pense à une tempête, on se dit que la tempête est finalement négative, mais à chaque fois le paysage renaît de ses cendres. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que malgré tout ce que vous avez vécu auparavant, malgré la tempête, malgré les difficultés, vous avez déposé vos valises, vous avez déposé vos bagages et vous êtes en train d'avancer vers quelque chose qui vous convient mieux. C'est comme si vous aviez ouvert la porte à l'amour, comme si vous aviez ouvert la porte à vous-même. Donc il sera question vraiment de voyage, de partir en vacances, de prendre soin de vous, ou tout simplement, voilà, de manière plus symbolique, de laisser des choses derrière vous, de laisser un bagage. Ça peut être un laisser, finalement, un fardeau familial, un fardeau par rapport à vos enfants, par rapport à des attentes, par rapport à tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui est déposé, il y a quelque chose qui finalement tend à vous alléger le cœur. Et même si c'est une décision que vous avez prise qui a été mûrement réfléchie, le fait de laisser quelque chose derrière vous, dites-vous bien que même si vous avez peur, vous avez pris la meilleure décision pour vous. Ce sont des choses qui ont été connectées à vous par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez réussi à achever dans votre expérience. Et on est en train de vous dire que voilà, vous êtes en train de cheminer vers la meilleure version de vous. Alors cette semaine, ça va pas forcément être quelque chose on a l'impression que, vous savez, quand il y a un poids qui s'enlève de nous, d'un seul coup, notre corps met du temps un petit peu à se réadapter à la nouvelle position ou à la nouvelle posture qu'on devrait avoir. Et ça va être vraiment cette sensation-là de vous dire, bon, non, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai laissé déposer mes fardeaux, mes valises? Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai envie de te dire que qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais quelque chose que tu as envie. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont venir à toi par rapport à la créativité, par rapport à la création. Il y a des choses que tu vas trouver dans les livres qui vont t'inspirer, qui vont t'apporter des réponses. En tout cas, on t'invite vraiment à ouvrir ton canal et à te laisser aller, car le voyage ne fait que commencer. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter et que ces petits outils vont vous aider pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire la petite porte que vous avez choisie, j'ai trop hâte de vous lire. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Je réalise du coup des guidances privées, je serai ravie de vous accueillir pour une guidance. Je vous fais des gros bisous du cœur, sachez que vous avez toutes les informations en description et à très bientôt.